bonjour, bonjour à Tim. Je vous prends ici aujourd'hui, on est dimanche. J'ai un colis à vous ouvrir et voilà. Je me suis dit, je vais rester là pour ouvrir le colis. Je vais pas aller dans la scrap room, remettre le chauffage, tout ça, tout ça. Donc voilà. Alors, j'ai un colis ici à ouvrir avec vous de Laetitia. J'avais pas eu le temps de l'ouvrir encore, donc ben là j'en profite, j'ai un petit peu de temps devant moi pour ouvrir ça avec vous. Donc c'est parti, je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais qu'elle m'a dit, je t'envoie des petites bricoles. Des petites bricoles, je trouve qu'elles sont bien grosses, parce que là le carton il est juste énorme. Donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, je ne sais pas du tout. Alors, on va essayer d'ouvrir ça correctement, je vais essayer de ne pas me... Je ne peux pas m'ouvrir un bois. Hop là, ce soit. Petite bricole, vous êtes prêts? Alors, tac. Je vous montre le colis, comment il est. Voilà, il est comme ceci. Il y a du papier bulle partout. Et ici, nous avons des gorgeous. Ouh là là, on a des découpes de gorgeous à monter. Je suppose, et là on a plein de choses. Oula, on a plein de trucs à manger. Ça va être un truc de fou encore. Je vous dis qu'on va en prendre des kilos cette année. Allez, je pousse ça sur le côté. Je vais enlever ma tasse à café pour éviter d'en faire une. Alors, déjà, premièrement, nous avons des gorgeous, comme je vous ai dit. Déjà, j'aurais bien aimé trouver la carte. Alors, je pense qu'elle m'a mis des petits trucs à côté. Donc, en fait, c'est des gorgeous comme ceci. PS, qu'on descend ta passion pour les petits assemblages. J'ai pensé que tu te régalerais avec cela. Bon courage. J'ai fait mon taf. J'en ai fait un. Lol. Tu peux le lire à haute voix. Je sais, je suis une peste. Putain. Alors du coup, elle m'a... Donc en fait, c'est un petit défi que tu me lances. Donc je vais essayer de faire ton petit défi. Donc là, j'ai les gorgeous. Et là, en fait, elle m'a fait les découpes. Donc j'ai un, deux, j'ai trois découpes comme ceci de gorgeous. Donc il faut que je retrouve à qui ça va. Et en fait, il faudrait que j'essaye de remonter les gorgeous. C'est un vrai plaisir, Laetitia. Comment te dire ? Oh là là, tu te rappelles comment j'ai galéré avec les trucs, quoi. Voilà, les découpes, elles sont déjà faites, mais il faut que j'arrive à monter les gorgeous, quoi. Bon, ben écoute, j'essaierai. On essaiera en vidéo. Alors là, c'est pas gagné. Hein. Moi, je vous dis que c'est pas gagné du tout. Du tout, du tout, du tout. Après, une fois monté, ça fait joli. Hein. Ça fait comme les petites choses qu'on avait montées. J'ai même pas fini. Je vous avais dit qu'on ferait la petite maison et tout ça que j'avais. J'ai même pas fait. Enfin, catastrophe. Je suis une catastrophe cette année. À chaque fois, je vous dis des choses. Et, alors, je ne trouve pas de carte. Si, c'est là. C'est dessous, j'ai trouvé. On va d'abord chercher la carte et ouvrir la carte. Donc, ça se présente comme ceci dans une enveloppe. Waouh. Waouh, ça pète. On en a plusieurs. Waouh. Alors, on a la carte comme ceci. Ah, c'est une que je vous ai fait, une des dernières. Regardez. Franchement, je la trouve trop canon, cette carte. C'est pas grand-chose, mais vraiment, je la trouve trop, trop belle. Même avec les papiers que tu as pris et tout, c'est magnifique. Merci beaucoup, Laetitia. Et nous aussi, on a l'intersection de plusieurs départements ici. On a le Lot à côté, on a la Dordogne à côté, la Haute-Vienne. Trop jolie ta carte, j'aime beaucoup. Ça aussi, j'aime bien, j'en fais jamais, mais les checkers, c'est vrai que c'est super joli comme ça. Vous voyez, des petites cartes comme ceci, checker, même pour mettre dans des cartes et tout ça, j'y pense jamais à en faire. Alors que franchement, c'est super joli. Et elle a tamponné avec mille merci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et ensuite, on a une dernière carte. Qui est comme ça. Et elle se met comme
ceci. Carte chevalet, elle est sympa. J'aime bien comment tu as mis en fait ton tes rectangles comme ça, en quinconce comme ça fait trop trop joli. J'aime beaucoup. Merci beaucoup, c'est très sympa. Franchement, c'est très joli. J'aime trop. Ça, j'adore. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, on est comme ça. On secoue, 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 secouez-moi. Trop, trop joli. Je te remercie énormément. Vraiment, vraiment, merci beaucoup. Donc, j'ai vu qu'il y avait à manger. Les gâteaux qu'on a reçus l'autre fois, on en a déjà plein. Je vous le dis. Avec le café, vous passez devant le tac, vous piochez. Franchement, ils étaient super bons. Il y avait un goût, elle avait mis, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. Comme un peu citron ou orange, je ne pourrais pas vous dire ce qu'il y avait dedans, mais c'était super bon. Enfin, on a tout fini, vraiment. Alors là, ça va être bon aussi. Alors, je pense qu'elle m'a marqué limitrophe de département, parce qu'elle m'a envoyé des gâteaux de chez elle. Alors ça, je sais que c'est super bon. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est des croquants aux amandes. Farine, sucre, levure, off avec œuf, off, œuf à la fleur d'oranger, comme ceci. Comment vous dire que voilà, ça c'est trop trop bon. Voilà, on va se régaler encore une fois. Et je vous dis que après les fêtes, il va falloir faire un petit régime là parce que, et en plus, elle m'en a pas mis un, mais elle m'en a mis deux paquets croquants aux amandes aussi, comme ceci. Donc, j'ai deux paquets de 125 grammes. T'es folle, un paquet, ça aurait été bon. C'est un paquet pour moi, un paquet pour Jérôme. Non, mais là, franchement, ça tue. Ça. Généralement, ça, c'est comme les chips. Vous savez, vous en mangez un, et après, ben, tant qu'il y en a dans le paquet, ben, vous vous arrêtez plus, quoi. Voilà, tout simplement. Je te remercie beaucoup. Franchement, il fallait pas en mettre deux, quoi. Déjà un, ça suffit. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Oh, un loup, tu peux pas faire de pause? Jérôme, tu peux pas faire de pause? Là, c'est pas évident. Non, parce que là, il y a un truc pour toi, là. Et juste après, Bon, je vais continuer à ouvrir. T'es folle. Allez, moi, je continue à ouvrir et dès que tu peux, il fait pause. Alors là, on a dans le papier enveloppé comme ça, dans du papier de soie. Je sors l'album. Il va être très beau. Oh. Ah oui, d'accord. Franchement, cette année, j'en aurais pris plein la vue. Allez, vous êtes prêts? Je vais vous mettre ici. Alors, on a un album gorgeous comme ceci qui a l'air juste magnifique. Elle l'a fait avec du tissu. C'est pareil, ça, je pense pas le faire avec du tissu. Ça rend bien, hein, vous voyez. Trop, trop chouette. Donc là, Merry Christmas avec des gorgeous ici. Là, nous avons le ruban pour fermer. Donc, elle a mis. Le ruban ici, c'est d'où le ruban, vous voyez, comme ceci, c'est trop joli. Ah ouais, donc là on a une petite gorgeuse qui fait de la balançoire juste là. Je sais pas si vous allez bien voir, je suis pas bien mise en fait. Wow. Alors là on a, ah ouais, non, mais c'est un album avec des trucs dedans. Oh, mais t'es. Mais il fallait pas. J'adore les. Je t'ai mis quelques petites bricoles. Ah, peut-être pour agrémenter mon album avec des photos. Donc là, on a plein de petites découpes ici en gorgeous. J'adore. Le papier ici, en fait, elle l'a embossé avec, vous savez, ce qu'il y avait. Je pense que c'est ça, avec ce qu'il y avait à une période, à Noz. C'est trop chouette. Je sais pas comment t'as fait ça. Mais c'est trop sympa. J'adore. Elle a créé une pochette sur sa page qu'elle a embossée comme ça. Et elle l'a ancrée aussi. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Franchement, c'est juste magnifique. Oh là là. Et donc là, on a plein de petites découpes à l'intérieur. Donc, je vais remettre là. Là. T'es folle, sans déconner. Donc là, je n'ai pas sa place. On a une page comme ceci qui va s'ouvrir. Alors, je pense que normalement, non, ça s'ouvre. Non, non, ça s'ouvre comme ça. Trop sympa. Oh, putain, t'es folle. Là, elle a mis plein de petites cartes gorgeous à l'intérieur aussi. Comme ceci. C'est trop sympa.
C'est un album qui cache des surprises, en fait. Là, on a une page qui s'ouvre comme ça. Ensuite, elle a refait une petite pochette ici, là. Et pareil, elle l'a embossée. Et là, pareil, il y a un papier embossé avec... C'est magnifique, hein, ce que tu as fait. C'est vraiment très, très beau. Là, on a une page comme ceci. En plus, je voulais ce papier, j'ai même pas utilisé ça. On m'avait offert l'année dernière. Là, on a encore une page embossée. Là, on a... Oh, putain, il y a un truc que je viens de penser. Il faut que je le fasse là, après. Là, on a plein de gorgeous en tamponnage. Trop sympa, elle les a fait de plusieurs couleurs. C'est trop, trop sympa. Je te remercie beaucoup. Et là, on a une enveloppe. Mais t'es folle. Sans déconner. Hein. C'est trop... C'est magnifique. Déjà, juste l'album, comme ça, il est magnifique. Tu n'étais pas obligé de rajouter des trucs. Je vais les laisser dedans. Mais là, on a plein de petites choses gorgeous ici. Franchement, t'es folle. Ouais, franchement, c'est trop génial, quoi. Mais, vous voyez, on a plein, plein de choses gorgeous, comme ceci. T'es complètement folle. Là, elle a fait... Alors moi, je ne sais jamais en cascade. Je ne sais jamais comment appeler ça, en fait. Une petite cascade ici. Ça, c'est bien aussi quand il vous reste des chutes de papier, vous voyez, de votre album. Vous pouvez faire des petites cascades comme ça parce qu'il ne vous faut pas des gros morceaux de papier. Et là, elle a encore fait une pochette ici. Pareil qu'elle a embossée là avec... et ancrée. Franchement, ça rend super bien l'embossage et l'ancrage comme ceci. Et là, à la fin, elle a mis... une pochette ici avec des enveloppes. T'es folle. L'album, il est magnifique. Hein. Franchement, il est ultra beau. Vraiment, j'adore. Donc, on a des enveloppes comme ça avec des cartes de Gorgeous à l'intérieur. Trop sympa. Franchement, je te remercie beaucoup, Laetitia. Bah, tu es une dingue aussi. Vous êtes folles les filles, sans déconner quoi. C'est, je sais pas quoi dire à chaque fois, ça me, je sais pas quoi dire. Tout simplement, je ne sais pas quoi dire. C'est un truc de fou. J'adore, c'est trop bien fait, c'est très très joli. Alors je remets tout comme c'était parce que j'aime tellement. Comme ça après je montre aussi à Jérôme comment c'est. Et après, hop, voilà, on a la couverture. Franchement, c'est magnifique. Ton album est très, très joli. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment. Là, ce que tu as rajouté là et tout, franchement, c'est juste magnifique. Vous voyez la taille de l'album, quoi. Il est lourd et tout. Franchement, il est balèze. Hein. Il est très, très chouette. Franchement, chapeau. J'aime trop. Il est calme. Magnifique. Ouais, magnifique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Si, je peux te dire merci aussi. Merci beaucoup, Laetitia. Si vous voulez que je vous dise d'autre, si, merci. Merci beaucoup, Laetitia, franchement. Pour ouais, c'est vraiment très, très beau. Et puis, ça prend du temps, faire un album. En plus, c'est super long. Toi-même, tu sais que c'est long, hein. Toi qui es derrière ton écran. Et je me dis qu'elle a pris un temps de fou. Elle a même mis des... vous voyez, des petits coins comme ça, en acier. Ça, je vous ai dit, ça fait une finition sur les albums et ça rend super bien. Et surtout si des fois, vos coins, ils sont pas terribles, bah, là, ça, voilà, ça rend super bien et ça, c'est joli, quoi. C'est joli. Allez, là, on a... Je vais ouvrir hein, en attendant que je rende... Oh, bah tiens, j'en ai eu ce matin dans le calendrier d'avant. Oh mince, j'espère que c'est pas cassé. Je crois que c'est cassé. Non. Je sais qu'il y a quelque chose. Ah, j'espère que c'est pas cassé. Du nougat. J'en ai eu ce matin. Alors là, amande, noisette et confit d'orange. C'est pas le même. Mais j'en ai eu ce matin dans mon
calendrier de l'Avent de Charlène. Donc bah là, vous savez quoi? Ça va être cool. On a plein de nougats. Donc on a du nougat. En fait, je pense qu'elle m'a fait parvenir plein de choses de chez elle. C'est trop bien parce qu'on peut goûter plein de choses. Non, c'est pas cassé, c'est l'intérieur. Ah ouais, cool, c'est pas cassé. Ouh, voilà. Mais c'est folle. Fallait pas nous envoyer tout ça. C'est trop bien. Des berlingots de Carpentras caramel sel de Camargue. Ah bah tiens, c'est à côté de la Camargue. Mais en même temps, tu m'as marqué que tu étais pas loin de du Gard. Alors ça, je connais pas du tout. Voilà, c'est comme ceci. C'est des mini berlingots. Alors ça, c'est super bien manger. Moi, les bonbons durs, j'adore parce que vous le mettez dans la bouche et ça dure longtemps, vous voyez. Vous sucez votre truc, ça dure super longtemps. Et là, c'est caramel et au sel de Camargue. C'est trop bien. Franchement, oh là là. Mais c'est trop bien. Bonbons de tradition. Ça me tarde de goûter. Merci beaucoup, franchement. Merci beaucoup. J'adore. J'adore. Et l'autre, ça va être ceci. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Sûrement à manger. Mais, alors, attendez. Qu'est-ce que tu nous as mis? C'était faux. J'aime bien quand elle me dit, je t'ai envoyé quelques bricoles. Non, mais quand j'ai vu la taille du colis, elle me dit, t'as reçu mes quelques bricoles. Non, mais tes quelques bricoles, t'attends dans la boîte aux lettres. J'ai dit, oui, j'ai reçu, mais ça ne rentrait pas dans la boîte aux lettres, les quelques bricoles. Tu es complètement folle, sans déconner. Mais c'est trop bien parce qu'on va pouvoir goûter des choses qu'on ne connaît pas. Oula, ça a l'air d'être une bouteille. Ouais, il était malade. Il y a des trucs qui valent cher, quoi. C'est des trucs de chez vous. Oh. Ah oui, c'est ça qui faisait un peu gras. Je crois qu'elle a coulé un petit peu, non? De l'huile d'olive extra vierge. Trop bien. Extraite à froid. Covin. Source de goût. Donc, je pense que ça, c'est une bonne huile d'olive. Ça doit être une huile d'olive de par chez toi. Voilà, on a une huile d'olive comme ceci. Ça, c'est trop, trop bien. Merci beaucoup. Par contre, ouais, je sais pas si c'est ça qui est un peu... Mais c'est trop bien. Merci beaucoup. Franchement, Laetitia, je te remercie énormément. Bon, là, je vais vous mettre en pause. Je vais attendre que monsieur fasse pause et qu'il arrive. Et comme ça, il va voir ce qu'il y a dedans. Parce que bon, comme ça, vous verrez sa réaction. Pour celles qui me suivent sur la chaîne secondaire, vous devez savoir ce qu'il y a dedans. Pour celles qui ne me suivent pas, à tout de suite. Bon, ça y est, là, c'est pause. Il arrive. Allez, viens. Viens voir déjà tout ce qu'on a. Nougat, t'as vu qu'il y en avait un ce matin? Bonjour. Et oui, j'ai aperçu ça. On a deux paquets de croquants d'amandes. Ça, c'est bon, ça. La bah, diète, ça, c'est nickel. Tu connais ça? Berlingot de caramel. De Carpentras. Celle de Camargue. Ah non, du tout, non. Et de l'huile d'olive. Dans les berlingots, je connaissais, mais alors de Carpentras, comme ça, caramel, celle de Camargue. Ça doit être un peu bon, ça. Hein. De l'huile d'olive. Celle-là doit être bonne. Elle doit être bonne aussi, celle-là. Bon, j'ai emballé parce que comme ça, il ne voit pas ce qu'elle tend. Si ouais. Je l'ai appelé, il doit savoir pourquoi je l'ai appelé. Pour ceux qui suivent sur notre chaîne, comme je vous ai dit. N'importe quoi. Hein. Oh là. D'accord. C'est pour bah ça ouais. Que je voulais que tu fasses pause. Ah ben bah oui, là c'est sûr. Tu comprends. Là, c'est... C'est pas pour t'embêter, mais je vois je Fortnite, alors... Je sais que tu m'embêtes. Quand il est en pleine partie, voilà, je peux pas trop l'arrêter. Celui-là, il a l'air d'être... Oh là. C'est Laetitia. D'Ardèche artisanale. Eh ben Laetitia, tapé dans le... Oh, je vais pas te mentir, t'aimes pas ça, mais c'est une pépite. Je vais le suspendre au-dessus du lit. C'est le truc, quoi. C'est tellement cas. Ah ouais, putain, super. Il sent super bon. Il va vraiment falloir que je fasse un petit truc pour les stocker. Je sais pas quoi dire. Ouais, ça me gêne. C'est moi, je suis pas. Elle m'a dit quelques bricoles. Bah ouais. Non, mais en plus, le gros album et tout, là, tu m'as dit, quoi. Eh bien,
Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, c'est super beaucoup. Gentil. Ouais, c'est voilà. Même Elia, je pense qu'elle va goûter aussi. Mmh. Et là, ben, on n'est pas prêt de perdre du poids, quoi. Non hein. Bon, c'est l'hiver, on fait un peu notre gras. Ouais, bon, là, le gras de l'hiver, on va l'avoir, quoi. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup pour toutes ces. C'est joli. Hein. Toutes ces gourmandises de vers chez toi, quoi. Ça fait plaisir. Ouais. On voyage, comme vous disiez, je ne sais plus dans quelle vidéo, tout en restant à la maison. Et franchement, c'est trop cool, quoi. Merci beaucoup. Mais c'est bon, tu peux retourner jouer. Mais merci beaucoup, ouais, ça fait plaisir. Voilà, c'est pour ça que je voulais que tu fasses pause. Donc voilà, Laetitia, je te remercie énormément pour tout. Bon, on va goûter. Alors les gâteaux, s'ils font. Hein, les autres gâteaux, ils ont mis combien de temps? Pas longtemps. Hein les gâteaux faits maison. Oui. Ils n'ont pas duré longtemps. Hein non, du tout. Donc ça, si ça dure aussi longtemps que les autres gâteaux, laisse tomber quoi. Ben, vous passez, vous piochez, ça je vous dis, c'est comme les chips, alors voilà quoi. Bon allez, sur ce la team, je vous laisse, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous allez, s'il y a des trucs que vous connaissez ou pas, ben, dites-moi en commentaire. En tout cas Laetitia, encore une fois, un grand merci à toi, je suis désolée, j'ai ma tête du dimanche aujourd'hui. C'est comme ça, c'est la vie. Je vous fais des gros bisous, à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Bisous.